Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolée de ne pas être venue en présence. J'ai réussi à atteindre Paris et puis le virus m'a bloquée avant mon arrivée à Compiègne. Et donc, c'est dans cet état à peu près assez moyen que je vous fais cette présentation ce matin. Donc, je suis désolée si c'est entrecoupé de tout, de gorgées de tisane. Voilà, je vais faire... de mon mieux. Merci beaucoup pour l'invitation. Bravo aussi aux organisateurs et particulièrement à Elodie pour l'organisation de cette très belle semaine. J'ai l'impression que vous avez eu des échanges vraiment hyper riches. En tout cas, à la lecture du programme, ça donnait envie d'être parmi vous. Effectivement, comme l'a dit Elodie, je suis maîtresse de conférence. J'ai été recrutée cette année comme maîtresse de conférence en sociologie à Sciences Po Bordeaux. Et là, je vous présente des résultats issus de ma recherche de post-doctorat, donc une recherche que j'ai effectuée après ma thèse de sociologie qui s'intéressait au développement des neuroleptiques à action prolongée. Donc, les neuroleptiques à action prolongée, c'est des neuroleptiques, donc des antipsychotiques, les médicaments qu'on donne en général à des personnes atteintes de schizophrénie ou de psychose, mais pour dire les choses de manière sans doute un peu trop schématique, mais pour que ce soit clair pour vous. Et en fait, dans les années, c'est des médicaments qui ont été inventés, découverts. Alors, on va revenir un petit peu sur ces termes-là. Dans les années 50, et à partir du milieu des années 60, on a développé une nouvelle forme galénique. Donc, la galénique, c'est vraiment la forme matérielle que prennent les médicaments. Est-ce que c'est des comprimés? Est-ce que c'est une solution buvable, etc. Et donc, on a inventé une nouvelle forme galénique qui est une suspension injectable à action prolongée. Donc, plutôt que de prendre des comprimés tous les matins, le patient à qui on prescrit des antipsychotiques va... devoir se rendre dans un lieu de soins tous les 15 jours, tous les mois, voire même tous les 3 mois avec les nouveaux médicaments mis sur le marché il y a quelques années, pour recevoir une injection qui va se libérer dans le métabolisme, dans l'organisme du patient sur une durée prolongée, ce qui évite à la fois l'oubli de la prise de traitement et puis même les échappements au traitement, ce qui exprès arrêterait leur prise de traitement. Ma recherche portait sur cet outil-là de la thérapeutique particulièrement parce que je me posais la question de ce que ça fait au parcours du patient, ce que ça fait à l'équipe de soins de passer avec cette nouvelle forme galénique, c'est-à-dire comment se répartit le travail au sein de l'équipe de soins dans le cadre de parcours thérapeutiques qui inclut l'injection en retard, et ce que ça change aussi pour l'organisation hospitalière ou l'organisation des soins plus largement. Donc, c'était ça un petit peu toutes mes questions. Moi, je suis sociologue, pas du tout historienne, mais je me suis dit, bon, ça a été mis sur le marché en 66, peut-être que je peux tenter cette incursion dans le passé méthodologiquement, peut-être que je peux quand même essayer de m'en sortir. Et donc... à l'issue de cette recherche, dont je vais vous présenter la méthodologie un petit peu plus précisément, et ce papier-là que je suis en train de terminer, c'est vraiment un des résultats principaux de cette recherche. Je me suis rendu compte à l'étude de ces objets-là que finalement, il n'y a pas une signification unilatérale dans l'usage de ces neuroleptiques à action prolongée et qu'en réalité, cet outil est mieux décrit par l'idée que ces fonctions évoluent à travers le temps en fonction de la période dans laquelle elles sont utilisées. Et donc, c'est ça dont je voudrais discuter avec vous ce matin. Effectivement, je m'appuie sur des travaux d'historiens, notamment Benoît Majerus, qui est un historien belge qui travaille au Luxembourg sur l'histoire, notamment en Belgique et au Luxembourg, de la psychiatrie, qui s'intéresse beaucoup aux objets dans la prise en charge des malades psychiatriques. Et puis Hervé Guillemin, qui vous a parlé, je crois, cette semaine, d'après son titre, je pense aussi assez précisément des objets techniques utilisés
en psychiatrie. Donc, je ne reviens pas sur leurs résultats, mais juste pour dire que je m'inscris dans cette ligne théorique et historiographique qui va un petit peu à l'encontre de l'idée qu'il y aurait déjà qu'il y aurait une découverte à un moment des neuroleptiques, que ce serait en grattant la terre, on trouve un neuroleptique, on le donne à un malade, il va mieux. C'est plutôt l'idée de reconstruire comment est-ce que cette innovation scientifique vient s'intégrer dans une histoire beaucoup plus longue de la recherche, de la prise en charge de certains symptômes productifs de la psychose. Productifs, c'est-à-dire tout ce que ça produit comme hallucination dont Zoé a parlé juste avant. Et ce genre de symptômes, et donc remettre l'innovation à l'intérieur d'une grande chaîne de production du savoir et de production aussi de pratiques thérapeutiques qui participent à produire le savoir. Et aussi, dans cette ligne historiographique, il y a l'idée de un peu limiter l'idée qu'on a parfois que le médicament en médecine en général et en médecine psychiatrique particulièrement va constituer une révolution dans la prise en charge et que tout n'est plus jamais comme avant puisque maintenant on a les médicaments alors qu'on avait avant seulement la baignoire, le lit, la porte, comme le dit Benoît Majerus, où il nous explique bien qu'en fait ces outils-là vont perdurer dans la clinique psychiatrique et dans l'arsenal thérapeutique. Et donc, je, tout en prenant au sérieux cette idée que de Guillemin, que le parcours des patients n'est pas fondamentalement modifié par les grands espoirs de la période, que sont les neuroleptiques et la sectorisation, je me demande, l'idée qui est au principe de cette recherche, c'est de me demander le lien qui peut exister entre... la mise sur le marché des neuroleptiques à action prolongée et la transformation de l'organisation hospitalière et de l'organisation des soins à partir des années 60. Puisqu'on sait qu'en France, il y a une grande réforme de l'organisation des soins en psychiatrie qui intervient après la Seconde Guerre mondiale et qui va vraiment devenir réel dans les années 60-70, c'est la sectorisation, l'idée qu'on n'est plus obligé de rester toute sa vie à l'hôpital, dans un hôpital asilaire et complètement fermé sur lui-même pour être soigné, mais qu'on peut aussi faire des allers-retours entre le monde normal, entre guillemets, et le monde de la psychiatrie à travers soit des consultations, soit des hospitalisations de courte durée. Et on voit quand même qu'il y a une congruence historique, en tout cas chronologique, dans la mise sur le marché des neuroleptiques à action prolongée et le développement des dispensaires de ville en santé mentale. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'évaluer, alors que c'est la dernière citation de la diapo, les médecins continuent à dire que les neuroleptiques à action prolongée, les NAP, ont facilité l'essor du mouvement dénommé secteur en France. Et moi, j'essaye d'évaluer la vérité de cette relation, la mesure, le degré de vérité de cette relation entre transformation organisationnelle et usage d'une innovation technique. Donc, je vous parlais de la méthodologie. Concrètement, j'ai dépouillé des archives dans un établissement de psychiatrie de la région parisienne que j'appelle les Pommiers pour l'anonymiser. Ma manière de faire les choses a été de choisir parmi tous les dossiers qui m'étaient à disposition. J'ai travaillé sur deux secteurs, donc c'est-à-dire à partir de deux dispensaires d'hygiène mentale, donc deux structures extra-hospitalières du même hôpital, depuis le début des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Et j'ai décidé de tirer au sort, d'échantillonner 100 dossiers par dizaine d'années pour évaluer la place que prennent les neuroleptiques à action prolongée dans ces périodes-là. Ensuite, j'ai fait une ethnographie entre 2021 et 2022 dans ce même établissement de psychiatrie, là aussi dans deux dispensaires qu'on appelle aujourd'hui centres médico-psychologiques, les CMP, avec des journées d'observation et des entretiens avec les professionnels et les patients qui reçoivent ces injections. Et puis, j'ai utilisé aussi les données de remboursement de l'assurance maladie de 2000 à 2020, puisqu'elles ne seront pas disponibles avant 2000.
Donc, j'ai dû utiliser ces bornes temporelles-là. Donc, je vais parler de bricolage thérapeutique aujourd'hui, mais là, vous voyez bien que c'est du bricolage méthodologique avec ce que j'avais sous la main. Les questions que je me pose à partir de ces données-là, c'est quelle est la capacité de transformation des nappes, des neuroleptiques à action prolongée, à la fois en termes d'organisation et de parcours de soins. Quel est le rythme de diffusion de cette innovation? Est-ce qu'on s'en saisit dès le début, en 1966 ou non? Et comment le médicament, par quel procédé et quelle signification successive il peut avoir, elles peuvent être données par les médecins dans l'usage qu'ils font de ces techniques. Donc j'ai vraiment choisi de présenter ça hein, selon un plan méthodologique. Les années 60, les années 70, 80, les années 90, dont je vais vous dire qu'en fait il se passe rien. Donc c'est un moment où on n'utilise plus les neuroleptiques à action prolongée, et un renouveau dans les années 2000 avec des significations différentes. D'abord, la première chose, c'est que dans les années 60, on vient de développer les neuroleptiques. La chlorpromazine a été donc découverte à Sainte-Anne en 1952. Et dans les années 60, les neuroleptiques sont très utilisés dans les services de psychiatrie, dans les services hospitaliers, l'endroit où vraiment les gens dorment à l'hôpital pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ces années 60, on se rend compte aussi que on voit notamment dans les articles médicaux que la figure du resquilleur émerge comme étant un épouvantail pour les médecins. Le resquilleur, c'est le patient qui fait croire qu'il prend son traitement quand il est à l'hôpital, mais ne le prend pas, puisqu'on observe que son état ne s'est pas amélioré malgré les prescriptions. Et donc là, on peut voir, ça s'est tiré de l'article d'Henri Guillemin Hervé Guillemin, pardon, dont probablement la présentation qu'il vous a faite était tirée. Une pub aux États-Unis pour une nouvelle forme galénique de neuroleptique en solution buvable. Et donc là, on voit un monsieur qui essaye de jeter dans son dos un comprimé à la poubelle. Et donc toute la pub du laboratoire est faite sur le fait que grâce à cette solution buvable, on va pouvoir observer que le patient prend bien son médicament, l'avale en entier et ne pourra pas cacher le comprimé dans sa bouche pour le rejeter juste après. Et donc il y a beaucoup de discussions. En tout cas, à ce moment-là, les médecins sont très intéressés par cette idée de vaincre l'inobservance des patients et les forcer à prendre leurs médicaments. Les neuroleptiques à action prolongée, ils ne sont pas exactement développés avec cette même idée de vaincre l'inobservance, en tout cas pas à l'hôpital. Mais ils sont développés avec cette même idée que le problème des schizophrènes et des personnes atteintes de psychose, c'est qu'ils arrêtent leur traitement, qu'ils ne veulent pas les prendre, et que alors que le traitement est efficace, l'arrêt du traitement va conduire à des crises qui sont de plus en plus graves. Et donc, excusez-moi. Dans cette même idée de s'assurer de la prise moléculaire par le patient, le laboratoire Squibb, qui deviendra plus tard, qui est racheté par Sanofi Aventis, développe le Moditen. Donc c'est la deuxième ligne du tableau, donc sous une forme d'injection prolongée qui va durer 15 jours dans l'organisme. Sur ce tableau, vous pouvez voir le développement des différentes molécules qui ont reçu des AMM, c'est-à-dire des autorisations de mise sur le marché. La première colonne des dates d'AMM correspond à la date d'AMM de la molécule dans sa formule initiale, et la deuxième colonne, date AMM pour LP, à sa formulation sous forme de libération prolongée. Et donc, on voit que dans les années 60, 70, 80, une série de molécules qui sont très largement utilisées dans les soins de la psychose vont être développées dans une formulation retard. Moi, à partir de ça, je me suis intéressée à ce qu'on voyait à partir de ces informations-là, à ce qu'on voyait pour de vrai dans les,
dans les dossiers médicaux des personnes prises en charge dans l'hôpital dans les années 60-70. Concrètement, pour vous décrire les dossiers face auxquels j'étais dans les archives, les dossiers sont rangés par les dispensaires, donc par les structures extra-hospitalières, mais sont à l'intérieur des dossiers, je trouve également des papiers produits par les services hospitaliers, par les services où les personnes vraiment dormaient, étaient accueillies à l'hôpital. Mais à partir du moment où le patient était aussi suivi à l'extérieur, son dossier était gardé par le dispensaire et pas uniquement par l'hôpital. Puisque l'idée, c'est que ces traitements-là sont donnés plutôt à des personnes qui vont être amenées à sortir de l'hôpital et que dans les années 60-70, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont suivies par les dispensaires, ça me semblait être la bonne manière de choper les patients à qui on pouvait prescrire des médicaments à libération prolongée. La première chose qui est frappante quand en arrivant devant les dossiers médicaux, c'est que l'épaisseur des dossiers, donc vraiment le nombre de pages qu'il contient, très physiquement, ne dépend pas du tout de la longueur du séjour de la personne, mais va dépendre du statut expérimental ou non du traitement qui est reçu par le patient. Puisque bien avant l'idée de créer des centres d'investigation clinique dans les années 90 dans les hôpitaux, on sait bien que la recherche se fait à l'hôpital avec des protocoles qui sont plus ou moins méthodologiquement qui seraient plus ou moins validés aujourd'hui méthodologiquement, mais en tout cas les médecins, chaque médecin dans son service va tester des traitements comme Zoé nous en a parlé juste avant avec l'exemple du LSD et va documenter les résultats obtenus par ces traitements-là. Donc je trouve quelques dossiers dans lesquels je vois qu'on a traité, on a testé des molécules à action prolongée chez ces patients-là, mais finalement vraiment extrêmement peu. Je l'explique, c'est-à-dire je trouve quatre patients dans les années 60 qui prennent sur 100 à qui on a testé de donner à un moment un neuroleptique à action prolongée, et puis ça ne dure pas très longtemps. Il me semble qu'une bonne explication de ça, c'est que à ce moment-là, alors qu'on fait beaucoup d'expérimentations à l'hôpital, on a besoin d'avoir le patient devant soi pour voir les effets que ça produit, et que ce médicament, il est justement fait pour être sorti de l'hôpital. Et donc, il y a une forme de défiance de la part des médecins de tester une molécule dont on verra les effets seulement à l'extérieur de l'hôpital et pas à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, les quatre patients dont j'ai observé les dossiers dans les années 60 sont des patients qui sont gardés à l'hôpital pendant quelques semaines pendant la durée du traitement sous neuroleptique à action prolongée. Et il y a une forme d'incompréhension de la part des médecins de l'utilité de cette molécule-là, de cette forme de molécule-là, puisque le patient est à l'hôpital, alors on peut très bien lui donner des comprimés ou des solutions buvables. Donc, il y a une forme de défiance sur l'efficacité et les risques encourus potentiels par ces médicaments-là et sur leurs usages. En revanche, c'est à partir des... Ah, pardon, j'ai oublié de passer mon... Bon, mais c'est ça que je racontais. En revanche, à partir des années 70, là, je vois dans les dossiers qu'il y a une expansion très large de l'usage des molécules à action prolongée, et notamment du Modecat, qui est qui est vraiment le plus utilisé, qui est le plus utilisé parce que plus il est utilisé, au sens où plus il est testé par des médecins, plus les autres médecins vont avoir confiance en cette molécule-là, et donc il va être... On va voir vraiment que ça va être une expansion sur le territoire et en Europe qui va être assez rapide. En Angleterre, il y a les travaux d'un historien qui montre bien comment il y a l'expansion de ce qu'il appelle des Modecat Clinics, qui vraiment vont être des dispensaires extra-hospitaliers qui ne vont faire que des injections toute la journée à plein de patients qu'on va garder à l'extérieur de l'hôpital, mais qui vont venir dans le dispensaire pour recevoir tous les 15 jours des injections. Ces injections vont pouvoir passer à tous les mois aussi, en fonction d'évolution du produit. Et moi, je vois effectivement dans mon hôpital des Pommiers, je vois fleurir les dossiers au milieu des années 70 avec
une prescription de neuroleptique à action prolongée. Ce qui m'apparaît très clair, c'est que en suivant le parcours à travers les dossiers des personnes suivies dans les années 70 et 80 avec une prescription de neuroleptique à action prolongée, on voit vraiment, ça illustre vraiment, ça, c'est un bon traceur de l'organisation du secteur et des transformations portées par la politique de sectorisation en France. J'ai donc fait le choix de vous présenter des cas pour illustrer ces choses-là et illustrer en fait trois caractéristiques majeures du secteur, je crois, dans les années 70-80. D'abord, le cas de Mademoiselle C. Mademoiselle C, c'est une jeune femme de 19 ans quand elle est adressée au dispensaire des Cerises, qui est lié à l'hôpital des Pommiers, pour un syndrome dissociatif. Et c'est en 1973. Elle est suivie pendant une année, elle prend des neuroleptiques péros, c'est-à-dire par la bouche, donc des comprimés, et le psychiatre lui propose, donc en 1973, de passer sous une formulation de neuroleptique retard, qu'elle accepte. Et puis après un peu plus d'un an d'injection, Mademoiselle C demande l'arrêt du traitement, ce qui conduit, dans la lettre du médecin, à la réapparition des troubles. Dans ce contexte, son psychiatre référent au dispensaire qui la suit en ambulatoire va demander au service d'hospitalisation de bien vouloir l'accueillir et de remettre en place le traitement à action prolongée. Il le dit bien, c'est la fin de la citation, elle va mieux, mais croit que c'est grâce à l'arrêt du traitement. Si à l'occasion de son passage chez vous, vous pouviez rétablir le traitement, j'en serais fort satisfait. Donc là, il y a l'idée que d'après les autres dossiers de cette forme-là et d'après la formulation utilisée par le docteur B dans sa lettre, on imagine que cette demande est un procédé habituel pour le médecin du dispensaire que de renvoyer la patiente vers l'hôpital pour remettre en place le traitement, pour ensuite la faire ressortir et qu'elle puisse être traitée ensuite par le dispensaire. L'histoire ne s'arrête pas là en 76, mais donc elle est réhospitalisée, on remet en place les injections, elle ressort, et puis le médecin, toujours le même docteur B, va dire que Mademoiselle C a refait une rechute de son état psychotique dissociatif, elle a refait un séjour hospitalier, elle est déprimée. Et il dit, j'ai réussi à reprendre le Modeca de 75 avec son accord tous les mois. La dernière injection ayant eu lieu le 29 avril, la prochaine sera donc le 29 mai durant son séjour chez vous. Et donc on voit à travers, là j'ai raccourci le cas, mais on voit à travers les quelques années de suivi de cette Mademoiselle C, les allers-retours qui sont effectués entre le dispensaire et l'hôpital, avec la fonction de l'hôpital qui se resserre sur l'idée de mettre en place ou remettre en place le traitement par un neuroleptique à action prolongée, alors que le suivi régulier se fait au dispensaire. Et donc, c'est vraiment une caractéristique majeure du déploiement du secteur dans les années 70-80. Et ce cas de Mademoiselle C, il est assez exemplaire de 27 dossiers sur 200 que j'ai pu lire allant des années 70 à la fin des années 80 sur les patients qui sont traités au Pommier. Le deuxième cas, c'est le cas de Madame B, qui est née en 1919. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Il y a des antécédents familiaux de psychiatrie, avec des premiers épisodes psychotiques pour elle à l'âge de 26 ans. Et elle est hospitalisée très longtemps. On voit qu'elle est hospitalisée depuis le début des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Elle profite de certaines périodes de sortie autorisées, mais elle va rester hospitalisée très longtemps. Pour aller un peu plus dans le détail, de 1971 à 78, elle va suivre son traitement injectable de manière assez régulière. Et on voit qu'à partir de 78, des visites à domicile sont organisées et sont dites à chaque fois nécessaires pour effectuer les injections. Donc là, on peut voir aussi à travers certaines traces laissées par les médecins qu'il y a une diminution de l'observance de la
part de la patiente, et donc une volonté de la part du secteur d'aller jusqu'au patient pour lui permettre de profiter, d'avoir le bénéfice, dans leurs mots, de ces injections. Mais on voit qu'il y a une petite diminution de l'observance de la part de la patiente à ce moment-là. Jusqu'au moment, en 1982, où son médecin lui dit que lors de la dernière rencontre, elle a refusé l'injection. Il l'envoie donc vers le service hospitalier et le docteur dit « Vous lui rendriez un très grand service, et à moi aussi, par contre-coup, si vous pouviez la convaincre de l'utilité de cette injection mensuelle. » Donc là, on a le médecin qui fait en sorte qu'elle reprenne cette injection. Et on voit effectivement dans son dossier des années 83-85 qu'elle va avoir de très nombreuses hospitalisations et donc des allers-retours entre dispensaire et hôpital avec prescription des neuroleptiques. Et de 1985 à 1995, elle va rester hospitalisée. Pendant tout ce temps, elle va bénéficier d'une sortie à l'âge de 75 ans, alors que son mari est décédé. Elle va rentrer au domicile de sa fille en Normandie. Et on apprend dans le compte-rendu de fin d'hospitalisation que le traitement par neuroleptique à action prolongée a été arrêté, interrompu au cours de son hospitalisation, mais sans avoir de date exacte sur l'interruption de ce traitement. Ici, ça illustre très bien, selon moi, des parcours thérapeutiques particulièrement longs qui peuvent encore exister dans les années 70, 80 et encore 90. Donc, des patients particulièrement lourds, selon l'institution hospitalière, qui nécessitent l'usage de ces médicaments particuliers. Troisième caractéristique du secteur qu'on voit à travers les dossiers, c'est celle de l'expansion du secteur et de la diversification de son offre à travers des structures qui vont avoir des rôles très différents et en même temps l'apparition d'une certaine tension sur les files actives puisqu'il va y avoir un certain débordement des structures par une demande trop importante de la part des patients. C'est le cas de M. D, qui est un jeune homme de 17 ans, quand il est hospitalisé pour la première fois quelques semaines en 1980 pour épilepsie et troubles du comportement. Et puis, on va avoir une note du médecin sur le dossier qui dit, en fait, ne prends pas bien son traitement, essayez à la place du Loxapac qui prend en comprimé le Modeca de 75. Et donc, il va mettre en place cette injection. Et dans les années 80-83, ce dossier est particulièrement intéressant parce qu'on voit que la gestion des injections, ça prend une place vraiment très importante dans son suivi. Il y a plein de notes de plein de médecins, d'infirmiers qui disent encore aujourd'hui c'était difficile, il ne voulait pas l'injection, aujourd'hui il est venu avec sa mère aussi a l'air d'être contre l'injection. Et en fait, on voit se nouer une relation problématique non seulement entre le patient et son équipe de soins, mais aussi entre son patient, le patient, son équipe de soins et la maman du patient, dont les médecins vont, les médecins et les infirmiers vont se plaindre à plusieurs reprises des effets délétères qu'elle peut avoir sur la prise en charge. Finalement, l'idée, c'est de sortir un peu le patient de chez lui, puisqu'il y a une forme de relation pathologique avec sa mère. Et donc, on va essayer de le faire intégrer à un centre d'aide par le travail, où il ne va donc pas dormir, mais il va pouvoir passer la journée. Et la réponse du CAT, dans lequel une demande de prise en charge est effectuée par le médecin traitant de M. D, la réponse est que, après en avoir longuement discuté avec Madame la directrice, il nous semble tout à fait impossible de même envisager augmenter notre liste d'attente, même si d'après ta lettre, le cas du jeune Monsieur D semble correspondre à la moyenne de ce que nous acceptons de prendre. Et donc on voit à la fois la diversification de l'offre, mais en même temps cette offre qui se referme instantanément dès lors qu'elle a ouvert, parce qu'il y a un manque de place pour accueillir les patients qui en auraient besoin. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude de ces dossiers, dont j'ai vraiment échantillonné juste trois cas à vous présenter, c'est qu'on voit vraiment les caractéristiques de l'institution psychiatrique des années 70 aux années 85 à travers cette diffusion de l'usage des neuroleptiques retard.
d'abord une diversification de la file active. On a des personnes très, très lourdement atteintes et qui ne sont pas du tout autonomes, qui vont être très hospitalisées. Mais aussi, on découvre cette nouvelle file active traitée par la psychiatrie de personnes autonomes qui vivent à leur domicile, qui parfois ont des enfants, sont mariées, peuvent avoir une activité professionnelle et à côté ont une pathologie psychiatrique qui va être prise en charge. Il y a une diversification des parcours de soins qui est liée à la diversification des offres de soins et notamment des structures. Et on voit aussi se resserrer le rôle de l'hôpital sur l'introduction du traitement et la réintroduction du traitement comme fonction principale de l'hôpital. À la fin des années 80, jusqu'à l'année 2000 à peu près, 2002, il y a un détournement des neuroleptiques retard que j'observe dans les dossiers, parce que dans les dossiers des années 80, j'ai quasiment plus de patients traités à action prolongée. Dans les années 90, dans la fin des années 80, j'en ai quasiment plus. Et dans les années 90, je ne trouve pas de patients qui sont traités avec un neuroleptique à action prolongée. Je peux le dire aussi parce que j'ai fait des entretiens avec des psychiatres qui ont commencé leur activité dans les années 80 et qui me disent qu'effectivement, dans les années 90, ils ne prescrivaient pas, ils n'ont pas appris à prescrire de neuroleptiques à action prolongée pendant leurs études et que c'est des éléments auxquels ils vont s'intéresser bien plus tard. Au milieu des années 2000. C'est ce que me dit une psychiatre qui, d'obédience plutôt psychanalytique qui me dit « Mon entrée dans la profession n'est pas récente, elle date de 79. » Et à cette époque-là, on n'y entrait pas pour prescrire des médicaments et peut-être encore moins des neuroleptiques retard. On y entrait parce qu'on croyait qu'on pouvait transformer, enfin qu'on pouvait soulager la souffrance psychique par le don de soi, la parole et la présence. Donc, on voit que cette période fortement psychanalytique ne semblait pas à ce moment-là propice au développement et à l'usage de cette technique de soins. Dans les années 2000, pourtant, on voit une recrudescence très importante de la prescription des neuroleptiques à action prolongée. Ici, je vous ai fait un graphique qui montre l'évolution du remboursement. Donc, ce n'est pas exactement la prescription, mais l'évolution du remboursement par l'assurance maladie des neuroleptiques. Vous avez en gris, l'histogramme gris montre le montant remboursé total de tout neuroleptique confondu, à action prolongée ou non. Et en jaune, vous avez le montant remboursé des neuroleptiques à action prolongée. Et la droite qui est tirée, qui est un peu marronasse, représente la part des neuroleptiques à action prolongée dans le remboursement total des neuroleptiques. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est vraiment la tendance de fond que ça montre, beaucoup plus que les chiffres eux-mêmes, puisqu'il faut faire attention notamment au fait que ce n'est pas du tout les mêmes tarifs, le même prix, les neuroleptiques péros, donc par la bouche, et les neuroleptiques injectables. Les neuroleptiques péros, pour prendre un exemple sur un médicament récent, la Abilify, c'est 18 euros la boîte, alors que l'injection est remboursée par l'assurance maladie 240 euros. Donc nécessairement, ça explique le fait qu'on voit bien sur la courbe que c'est de plus en plus utilisé, et donc ça explique que d'un coup, ça devient plus de 50% du montant du remboursement. Dans les données que j'ai, qui sont des données agrégées, ce n'est pas des données par individu, ni par prescripteur, ni par consommateur de soins. Donc j'ai seulement le nombre de boîtes de neuroleptiques vendues. Donc ça ne me permet pas d'avoir non plus des choses très précises sur le volume de neuroleptiques prescrits par individu, puisque moi j'ai le nombre de boîtes, mais je ne sais pas en fonction de la dose qui est prescrite le nombre de boîtes qui vont être nécessaires pour un patient. Donc ces données, il faut les prendre avec un peu de distance, mais elles sont intéressantes pour montrer qu'il y a quand même une hausse très très forte de l'usage de ces médicaments. Cette hausse, elle est portée notamment, c'est ce que me disent très souvent les médecins, par la mise sur le marché du Risperdal Consta, c'est donc la première ligne du tableau. Le Risperdal est déjà très utilisé dans les années 90, et c'est ce qu'on appelle les neuroleptiques de nouvelle génération. Les médecins les aiment bien, ça a l'air de bien marcher, il y a peu d'effets secondaires. Excusez-moi.
Et ce médicament est disponible en action prolongée à partir de 2003. Et donc, on voit qu'effectivement, si on regarde la courbe, c'est à partir de 2004 qu'on voit vraiment cette hausse. Donc, on peut avoir cette petite année de délai sur l'usage et la prescription, c'est assez, assez logique. Mais donc, on voit vraiment qu'à partir de 2004, il y a une reprise en main par les psychiatres de cette... cette forme de médicament particulier. Ce qui est intéressant aussi dans cette dynamique de prescription et d'usage, c'est qu'elle semble coller tout à fait avec l'évolution du nombre de lits en psychiatrie. Là, on a à peu près la même période qui est représentée et on voit très bien le nombre de lits en psychiatrie a commencé à baisser à partir de la fin des années 80, mais la vitesse de diminution a été beaucoup plus rapide depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Et là, effectivement, on voit bien en nombre de lits de psychiatrie pour 100 000 habitants qu'il y a une baisse assez importante qui se fait sur ces années-là. Et donc, moi, ma question, je vous le disais, portait sur est-ce qu'on peut, en regardant, en mettant, entre guillemets, l'un sur l'autre ces deux graphiques, est-ce qu'on peut affirmer que c'est parce qu'il y a des neuroleptiques retards qu'on peut baisser le nombre de lits en psychiatrie puisqu'on peut traiter les personnes personne à l'extérieur. J'attire aussi votre attention sur le fait que les psychiatres, les labos ont très bien compris cette relation et instrumentalisent cette relation entre nombre de lits en psychiatrie et usage des neuroleptiques retard, puisqu'ils font la pub quand ils vont voir les médecins à l'hôpital pour faire la pub du neuroleptique à action prolongée. Ils disent les neuroleptiques à action prolongée, ça fait moins d'hospitalisation et l'hospitalisation ça coûte cher, et si on diminue les hospitalisations on pourra mieux payer les médecins qui prendront en charge des personnes à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il y a tout un discours qui est développé là-dessus sur le fait que le neuroleptique est la solution à action prolongée et la solution pour diminuer le nombre de séjours, la durée des séjours des personnes en psychiatrie. Ce que j'observe surtout, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui les neuroleptiques à action prolongée prend différentes significations cette question du levier du neuroleptique comme levier de réduction des séjours et des durées d'hospitalisation, c'est à relativiser en fonction des autres significations et des autres modes d'usage qui sont mis en œuvre par les médecins. D'abord, si les médecins les utilisent aujourd'hui, les neuroleptiques à action prolongée nous disent bien que c'est parce que ça permet de... L'idée, c'est de normaliser le traitement auprès du patient. Comme le disent les médecins que je cite ici, l'idée, c'est de dédramatiser le traitement retard, c'est de le présenter comme une chance. Ou alors, cette médecin qui le présente presque comme un accessoire à ne pas manquer pour l'été, c'est discret, ils peuvent partir en vacances avec, en week-end. Puisqu'effectivement, on n'a pas le risque d'oublier... ces tablettes de médicaments, et on n'a pas le risque non plus que nos amis nous voient les prendre pendant le week-end. Ce qu'on voit aussi quand même, c'est que les neuroleptiques à action prolongée deviennent absolument centraux dans la réflexion du médecin lorsqu'il prescrit des médicaments, et donc va vraiment entrer et entrer complètement dans l'arsenal thérapeutique, dans l'arsenal des traitements possibles pour le médecin. Et donc ils le disent, si je mets de la quétiapine, je sais que je me ferme une porte puisque la quétiapine n'existe pas sous forme retard, ou encore le fait que la forme retard existe, ça entre dans la décision de prescription. Il faut effectivement réfléchir à trouver une molécule qu'on pourra mettre en retard à la fin de l'hospitalisation. Donc c'est devenu vraiment le parcours classique du patient hospitalisé, du patient atteint de psychose. Il est hospitalisé quelques semaines, on teste des dosages. Une fois que le dosage du molécule on va le passer sous une formulation retard. Le revers de la médaille de ce traitement, c'est l'intérêt pour les médecins, c'est que le médecin va réussir à maintenir le contrôle de la prise
grâce au neuroleptique à action prolongée, puisque l'injection va se faire à l'hôpital. On ne donne pas l'autonomie au patient de gérer lui-même ses prises médicamenteuses, mais on va demander au patient de se rendre dans un lieu de soins, à l'hôpital ou au CMP, pour recevoir ses injections. Là, c'est ce que cette psychiatre nous dit. Dans un monde idéal, l'alliance thérapeutique suffit, mais le monde n'est pas idéal. Donc, il faut éviter un certain nombre d'hospitalisations, parce qu'on sait que des fois, c'est ça qui est au bout de l'histoire. C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir des réhospitalisations, et donc pour les éviter, on utilise le traitement à action prolongée. On préférerait ne pas le faire, mais ça nous permet d'avoir un contrôle sur est-ce que la personne a bien pris sa molécule ou non. On voit aussi qu'il y a un élargissement des indications de prescription. Avant, c'était, on le voit dans les dossiers des années 70-80 pour des patients très très lourds qui sont pris en charge pendant très longtemps par l'hôpital et qui sont hospitalisés parfois très longtemps. Maintenant que les psychiatres ont une grande confiance en ces traitements, ils le disent, maintenant on peut le proposer à tout le monde. Maintenant, un jeune qui va bien, qui serait capable de prendre son traitement Péros, qui travaille, eh bien, il préfère le traitement retard. Et donc, elle nous dit qu'elle le propose à tous ses patients qui sont traités par neuroleptique, même sur une très petite dose de traitement neuroleptique. La question qui reste, c'est donc, est-ce que l'innovation moléculaire, cette mise sur le marché en 2003 du Risperdal, permet effectivement d'expliquer la hausse de l'usage de ces neuroleptiques à action prolongée, le Risperdal et les autres nouvelles molécules qui ont été mises sur le marché. Moi, ce qui me semble, c'est que sans doute la molécule convient mieux au psychiatre, mais c'est vraiment la forme galénique du neuroleptique à action prolongée qui convient bien au psychiatre aujourd'hui, puisqu'il offre une très grande marge de manœuvre au médecin dans le choix de la stratégie thérapeutique et dans la manière dont il va conduire cette stratégie thérapeutique, puisqu'il va pouvoir, autour du neuroleptique à action prolongée, il va choisir la molécule, choisir l'organisation des injections, leur modalité concrète, est-ce que ça se passe à l'hôpital, est-ce que ça se passe au CMP, est-ce que ça se passe les délais entre les injections, est-ce que c'est tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois. Il va pouvoir diminuer la posologie, puisqu'il suffit de ne pas mettre la seringue en entier si on veut diminuer la posologie d'un médicament commercialisé. Et puis en dernier recours, il va pouvoir proposer aux patients de passer sur une galénique par voie orale si vraiment le patient refuse l'injection. Donc le médecin, dans sa négociation avec le patient, dispose d'une étape supplémentaire par rapport au traitement Péros. Non seulement il dispose du contrôle, mais en plus il dispose d'une étape supplémentaire dans la négociation qui est, si vraiment ça ne marche pas, alors on passe à la voie orale. Et c'est ce que me dit ce psychiatre quand il me dit, dans la contrainte, il faut toujours laisser du choix. Donc le patient vient faire son injection, on lui laisse le choix. Et donc il donne des exemples, on va pouvoir lui laisser, est-ce qu'il préfère dans le bras ou dans la fesse, est-ce qu'il préfère le bras droit, le bras gauche, etc. Il va pouvoir modifier un peu ses jours de venue pour l'injection, etc. Et donc ça donne une forme d'illusion de liberté et d'autonomie au patient. En conclusion, juste des petits mots rapidement pour conclure sur les questions que j'ai posées au début. D'abord sur le rythme d'innovation. Alors j'avais l'idée que c'était une innovation lente. Hein. J'ai appelé cette présentation innovation à effet retard. Finalement, c'est pas tant que c'est lent, mais c'est qu'on voit qu'il y a des cycles différenciés. Il y a plusieurs cycles à l'intérieur du cycle 1966-2022-2023. En fait, il y a plusieurs cycles avec des formes de ralentissement successifs. Mais on ne peut pas dire à proprement parler que c'est juste un rythme de diffusion lent. Ensuite, quelle est la signification des traitements ? Alors, elle va changer au cours du temps. On va l'utiliser d'abord pour maximiser, contrôler l'observance. C'est encore à ça que ça sert aujourd'hui. On l'utilise aussi pour diminuer la charge médicamenteuse du traitement pour le patient chronique. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les psychiatres utilisent beaucoup cet argument-là pour dire que ça simplifie la vie au patient. Quand la psychiatre dit c'est discret, c'est ça aussi, c'est que ça va lui permettre d'oublier qu'il est malade puisqu'il n'a pas à prendre le traitement qui lui rappelle tous les jours qu'il est malade. Et puis il y a quand même ce truc très utile dont j'ai parlé pour le psychiatre qui est le maintien du contrôle sur la prise du traitement.
Pour conclure sur la capacité de transformation des neuroleptiques à action prolongée, trois capacités de transformation. D'abord, sur l'organisation du secteur. On a vu à travers l'étude des dossiers que ça accompagne une transformation qui est engagée par d'autres outils, notamment des outils réglementaires et financiers qui permettent de développer la sectorisation en France, que ça transforme les parcours des personnes soignées. Ça, j'en ai pas parlé, mais dans la période contemporaine, on voit bien que accepter les neuroleptiques à action prolongée pour les patients, ça ouvre des opportunités pour les patients, ça leur donne des places dans certaines structures extra-hospitalières, ça leur donne accès à certains services dont l'hôpital ne pourrait pas le fournir à tous les patients par manque de moyens. Donc ça fait d'eux de bons élèves de l'institution et donc ça leur permet d'accéder à des ressources. Et puis enfin, sur le groupe des professionnels, j'en ai pas parlé non plus, mais ça va redistribuer les tâches au sein des équipes soignantes puisque l'injection n'est pas effectuée par le psychiatre, mais effectué par le médecin, par les infirmiers. Et donc, ça va vraiment redéplacer des choses à l'intérieur du travail en équipe dans les services de soins, et ça va retravailler la relation soignant-soigné, puisque la relation soignant-soigné, c'est vraiment plus du tout psychiatre-patient, mais beaucoup plus les infirmiers qui vont être en première ligne dans l'accueil des patients. Je vous remercie. Merci Tonia, je viens d'être applaudie. Donc merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, si personne ne lève la main, je vais commencer. Je me demandais si... donc là, tu as parlé des neuroleptiques à effet retard, enfin à effet prolongé. Je me demandais s'il y avait... des développements autour d'autres classes médicamenteuses en psychiatrie autour de cet effet prolongé-là, donc avec les injections. Vu que ça reconfigure les soins et qu'il y a quand même de l'intérêt, je suis assez étonnée de ne pas avoir entendu parler d'antidépresseurs à effet prolongé ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a une spécificité qui serait plutôt chimique sur les neuroleptiques ou est-ce que c'est une spécificité sur les prises en charge? Parce que qui dit neuroleptique dit des maladies plutôt psychotiques. Voilà. Est-ce que c'est une question de maladie, est-ce que c'est une question plutôt de chimie, de type de soins, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment dû, c'est une question hyper intéressante qui permet de compléter des choses que j'ai pas dites. Si c'est développé pour la psychose, c'est vraiment le signe que c'est développé là où on pense qu'il y a un risque. Là où on pense, j'allais dire, si un dépressif qui ne prend pas ses antidépresseurs, il y a un risque. Mais c'est un risque qui est construit comme moins grave par la médecine que le risque du passage à l'acte du psychotique. C'est aussi parce qu'on considère que les patients psychotiques sont particulièrement peu autonomes. Notamment dans leur prise en charge, dans la prise en charge thérapeutique dans leur parcours de soins. Et c'est intéressant de comparer ça, même s'il y a des limites à cette comparaison qui ne peut pas être faite terme à terme, mais c'est intéressant de comparer ça à la contraception. Parce qu'en fait, le seul grand autre exemple qu'on ait des médicaments à libération prolongée, c'est l'implant contraceptif. Et en fait, l'implant contraceptif, on le met en place vraiment avec l'idée que le risque de grossesse non voulue, c'est un risque très grave, donc on veut vraiment l'éviter. Et c'est vraiment aussi l'idée qu'il y a un manque d'autonomie de la part des femmes pour prendre en charge cette partie-là de leur vie. Et donc, l'implant contraceptif est développé avec cette idée-là, avec l'idée que le corps médical, en tout cas c'est certaines des analyses qui sont faites par les historiens, que le corps médical, qui est un corps particulièrement masculin, va essayer de regagner le contrôle sur cette autonomie que les femmes auraient acquise au cours du développement, enfin avec l'usage de la pilule, sur la question de la contraception et de la reproduction. Et donc l'implant est une forme de backlash pour que le corps médical puisse, lui, reprendre la main et que ce soit lui qui décide davantage quand la femme est en situation de procréer ou non. Y a un peu cette idée-là, en fait, avec les médicaments à action prolongée qui sont utilisés en psychiatrie. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas...
il y a pas, en tout cas, pas que je sache, donc pas très visible, de recherche pour mettre d'autres choses de type antidépresseur sous action prolongée. En revanche, ce qui existe maintenant depuis cette année, ça a été, enfin 2022, ça a été mis en place en 2022, c'est sur les médicaments de prise en charge de l'addiction, et notamment le Subutex, les médicaments qui évite la prise de substitution, voilà, excusez-moi, les médicaments de substitution comme le Subutex, notamment qu'on utilise pour l'alcoolisme, mais aussi dans d'autres formes, pour d'autres addictions à d'autres psychotropes, a été développé par un laboratoire suédois et donc mis sur le marché. Il est testé en France depuis l'année dernière, avec cette même idée que c'est des patients qui sont pas du tout autonomes sur leur prise en charge, que certains vont faire le choix de ne pas prendre leurs médicaments pour pouvoir prendre des substances liées à leur addiction, et que donc en fait on va éviter ça grâce à l'outil, à cet outil technologique. Ce que j'ai peut-être pas tout à fait assez dit dans la dernière partie de ma présentation, c'est vraiment que, peut-être pour dire les choses de manière très simple et faire un peu un retour réflexif sur ma recherche, c'est que moi j'ai commencé le terrain en me disant que c'était vraiment une nouvelle forme d'oppression sur les corps des personnes schizophrènes, ce contrôle repris par les équipes cette intériorisation de la molécule comme ça par la personne éventuellement non voulue, mais que ce que j'ai observé quand même sur le terrain, et je pense à ça parce que notamment c'est en addictologie, on l'observe aussi sous cette forme-là, c'est des formes beaucoup plus douces et beaucoup plus limites de l'usage du neuroleptique à action prolongée, et un peu dans le sens de la présentation de Zoé tout à l'heure, c'est-à-dire que il peut y avoir des usages de cette technologie-là qui sont extrêmement répressifs et très violents pour la personne et pour le corps de la personne, mais en fait ils peuvent aussi être utilisés pour développer tout un tas d'autres trucs autour. Et quand je dis le fait d'accepter l'injection, ça permet d'avoir accès à des ressources. Il y a vraiment la psychiatrie n'a pas les moyens de soigner tout le monde comme il faudrait, donc il faut trouver des manières de hiérarchiser la demande. Et une des manières de hiérarchiser, c'est les patients qui acceptent cette forme moléculaire-là, dont on sait que ça va nous permettre de mieux les prendre en charge et donc de leur permettre d'accéder à de l'EMDR, d'accéder à des consultations en addictologie, d'accéder à des consultations avec un nutritionniste, etc. Toutes ces petites choses à côté que tous les patients, auxquelles tous les patients n'ont pas droit en psychiatrie. Mais dans le cas où il y a des patients qui ont plusieurs lignes thérapeutiques, dont des neuroleptiques, mais aussi des antidépresseurs, c'est hyper dommage qu'il n'y ait pas le développement pour toutes les classes médicamenteuses, parce que des patients à cheval sur différentes classes thérapeutiques ne peuvent pas du tout bénéficier de ce genre de prescription à action prolongée parce qu'ils ont les autres lignes thérapeutiques. Alors, ils en bénéficient quand même, juste il faut prendre les anxiolytiques et les antidépresseurs par ailleurs. Ouais. Mais comme il y a l'idée que c'est moins grave si on se trompe dans la prise ou si on arrête, voilà. Ok. Des questions dans la salle ? Vous êtes, ça y est, vous êtes trop fatigué, vous n'avez plus de questions. C'est une semaine, c'est la fin. Oui, une chose. Donc la question, c'est sur ton parcours en tant que sensuologue. Comment tu en es venue à t'intéresser à ce genre de terrain ? Merci pour la question. Moi, j'ai ma thèse s'intéressait à l'institution psychiatrique, à l'hôpital, et je me suis intéressée notamment à la manière dont le droit et le management ou l'économie sont rentrés dans l'hôpital, et comment est-ce que le droit et l'économie ont essayé d'avoir des connaissances sur ce qui se passe en psychiatrie et pour créer des outils de régulation. Ça, c'était ma recherche de thèse, vraiment centrée sur l'hôpital. Et puis, au cours de cette thèse, pour financer une des années
de ma thèse, j'ai participé à un projet collectif avec trois autres collègues de différentes institutions sur le développement d'activités de pharmacie clinique en psychiatrie. Donc l'idée que les pharmaciens deviennent dans un hôpital, pas seulement des livreurs de médicaments, mais qui vont pouvoir faire bénéficier les équipes d'une expertise particulière sur les traitements et particulièrement sur les traitements en psychiatrie. Donc on a étudié le déploiement de cette innovation organisationnelle dans le cadre d'une recherche financée. Et c'est par là que je me suis intéressée en fait aux médicaments précisément, et où j'ai vu que le temps que prend la gestion des injections par les professionnels à l'hôpital, c'est dingue pour un médicament qui n'est pas pris à l'hôpital, qui n'est pas donné aux personnes qui sont à l'hôpital. Ils sont donnés normalement à des personnes qui sont relativement autonomes, au sens où elles ne sont pas hospitalisées, elles vivent quand même à l'extérieur de l'hôpital. Et je me suis dit, il y a un truc là-dessus qui n'est pas clair. Pourquoi est-ce que ça leur prend autant de temps de gérer des gens qui ne sont pas là, quoi? Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis ça a nourri mes projets actuels. Mes projets actuels, c'est plutôt sur les dispositifs médicaux, donc tout ce qui n'est pas du médicament, mais qui est utilisé dans la médecine, dans le soin, puisque j'ai été notamment fascinée par le rapport des infirmières aux seringues qu'elles utilisaient dans les injections, avec notamment les vieilles infirmières qui avaient commencé à travailler dans les années 80, qui pouvaient me dire qu'avant, les seringues utilisées étaient des seringues en verre qui étaient stérilisées au sein même de l'hôpital, et que pour des raisons d'hygiène et puis aussi de prix et de production et d'amour total de notre société pour le plastique, on est passé sur des seringues jetables en plastique, livrées directement avec les médicaments. Et en fait, elles disent que c'est très désagréable, et pour elles et pour le patient, ce passage à cette nouvelle seringue en plastique, parce que c'est beaucoup moins précis, que l'injection est plus longue, parce que la canule n'est pas de la même taille, etc. Et j'ai trouvé fascinant cette expertise hyper précise qu'elles pouvaient avoir sur les objets qu'elles avaient dans les mains tous les jours. Passionnant, hein, comme observation. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une autre, hein, donc ne vous forcez pas non plus. Mais... Non. Ma question, elle porte sur ce que tu disais sur le fait que ça ouvre un autre rapport à la maladie, d'avoir ce genre, enfin, plutôt à la prise de traitement et donc à la maladie, en fait, d'avoir ce traitement action prolongée, parce que du coup, tu ne prends pas le traitement tous les jours. Donc, d'une certaine façon, la maladie peut se faire oublier. Ce qui peut être peut-être vu d'abord comme positif dans le cas de maladies chroniques. Mais moi, j'ai travaillé sur la dialyse, donc sur l'hémodialyse, quand du coup, tu as une séance, bon, c'est quand même trois fois par semaine, ça dure 4 heures, mais tu n'es pas tout le temps, tu n'as pas forcément y penser. Et ce que je vous montre, c'est que justement, le traitement et donc la machine, le dispositif, ça reporte. La maladie était incarnée par la machine, du coup. Donc ça peut aussi avoir un effet hyper stigmatisant, et ça peut aussi dégrader le rapport au traitement, le fait qu'ils ne soient pas intégrés dans le quotidien, de devoir aller à l'hôpital, ça a des effets potentiellement délétères. Et je me demandais s'il y a un autre effet délétère possible, notamment dans le cadre des maladies psy, ce serait en fait un truc autour de la stigmatisation, que ça peut baisser la stigmatisation, ce qui est plutôt chouette a priori, mais est-ce que du coup ça pourrait pas aussi banaliser une forme de traitement? Imaginons un antidépresseur qui devient en action prolongée où on a juste une fois par mois. Du coup, d'une certaine façon, il y a une facilité au traitement, peut-être une baisse de la perception des effets secondaires induits. Et est-ce que ça, tout ça, à long terme, en prospectif, on pourrait se dire que ça pourrait reconfigurer le champ de la santé mentale et contribuer à cette idée de la pathologisation de la tristesse que défend Wakefield, ce genre de traitement action prolongée? Alors effectivement, sur la première partie de ta question, j'ai rencontré des patients dans le cadre de cette enquête, et les patients ont été évidemment choisis par les médecins, hein, ceux que je pouvais rencontrer, donc ça, il y a un biais de sélection qui est assez fort, mais les patients que j'ai rencontrés étaient plutôt contents du traitement et disaient, moi j'oubliais, je sais que je vais mieux avec le traitement, et en fait je sais que j'oubliais mon traitement, et donc je suis vraiment content
de pouvoir prendre ça, parce que là, maintenant, j'oublie plus. Du coup, ça se passe mieux au travail, ça se passe mieux avec mes parents, ça se passe mieux avec mes amis et tout ça. Donc, il y a vraiment ce discours-là qui est assez fort. Ensuite, pour certains patients, il y a l'invisibilisation créée par le fait que ça prend moins de temps dans la journée, et voire ça ne prend plus de temps dans la journée de prendre son traitement. Et je l'ai un petit peu dit là dans les dossiers que j'ai vus dans les années 70, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est les patients qui, du coup, vont mieux. Ils vont mieux, ils n'ont même pas pris le traitement, puisqu'ils ne prennent plus de pilules. Donc, ils arrêtent d'aller voir le médecin, puisqu'ils n'ont plus de maladie. Et donc, comme parfois le traitement peut être mis en place dans des situations, dans des contextes, les psychiatres ne sont pas tous égaux sur la clarté des explications de ce qu'ils donnent, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, etc. Sur des patients dont une forme d'altération quand même de la conscience qui existe, hein, c'est pas pour la diminuer, ça produit effectivement une incompréhension de ce que peut faire de à quoi sert cette injection et comment elle est utilisée. Donc là-dessus, il y a des choses. Après, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est surtout la place de la famille. Donc, j'ai juste dit ça rapidement là, au travers d'un cas de dossier, mais j'ai observé dans la situation actuelle plein de cas comme ça avec où en fait le médicament est vraiment utilisé. Dans le cadre de la relation des soignants à la famille. Et notamment, je me rappelle de ce cas de jeune patient qui était assez stabilisé sous forme orale. Le médecin l'a passé sous forme injectable. Le patient était très content les 3 premiers mois. Et puis, en fait, c'est la mère qui est venue se plaindre parce que la mère n'avait plus le contrôle. La mère se retrouvait dessaisie de son rôle de maman qu'elle avait depuis des années, de donner le traitement. Et c'est pour ça qu'elle était reconnue en tant que maman. Elle s'occupait de son fils, elle a dû gérer ses crises de violence, ses crises de... Et elle avait quand même ce petit moment, une fois par jour, elle était son infirmière et elle s'occupait de lui. Et en fait, pour elle, ça a été extrêmement violent, le passage à l'injection. Parce que d'un coup, elle ne pouvait plus gérer, elle a perdu le contrôle sur... Et donc, ça a été travaillé avec le psychiatre de comment est-ce qu'il a été décidé, par exemple, dans ce cas-là, qu'il y avait quand même un truc un peu pathologique dans le fait que la mère aime à ce point-là, en tout cas, ne voyait pas les progrès faits par son fils grâce à cette nouvelle forme galénique. Et donc, il a été décidé que la mère viendrait en consultation avec le fils le jour de l'injection, que c'était elle qui l'amenait. Comme ça, ça la réintroduisait dans le processus, mais tout en restant quand même un peu plus à l'écart que ce qu'elle était. Donc, il y a vraiment des combinaisons, des configurations hyper variables autour de cet objet. Et en fait, je trouve que la comparaison avec la dialyse est hyper intéressante, parce que je pense que c'est la même chose. Ce qui compte, ce n'est pas la dialyse, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans le parcours de soins, et est-ce qu'on y va accompagner, est-ce qu'il y a des soignants qui sont là, est-ce qu'on peut changer d'un jour à l'autre, ou est-ce que ce n'est pas possible, quelle marge de manœuvre on a en tant que patient, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend, pendant toutes ces heures, pendant la dialyse, etc. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut observer, qu'il faut regarder, et c'est là où notre point de vue de social scientist est hyper important et complémentaire à celui des chercheurs, des biochimistes, des psychiatres qui s'intéressent à ces traitements-là, quoi. Je crois que j'ai perdu la deuxième partie de ta question. Sur la banalisation, le fait que c'est assez facile d'aller faire une injection... Ouais. Ça invisibilise qu'il y a un soin. Sur la stigmatisation, ouais. Ça, j'avais noté, je me rappelais plus de dans quel sens je voulais le prendre. Ce que je voulais dire sur la stigmatisation et la banalisation, c'est que, notamment là, cette psychiatre qui dit « c'est bien ce traitement, c'est discret, on peut l'amener en vacances », elle avait tout un discours sur « c'est hyper important pour le patient parce que comme ça, il peut avoir des relations normales, etc. » Et c'est quand même c'est quand même une drôle d'image de la schizophrénie, quoi, parce qu'en réalité, on sait très bien, et on peut le déplorer évidemment, mais on sait très bien que la vie sociale d'une personne schizophrène traitée pour la schizophrénie depuis ses 16 ou 18 ans n'est pas la même que la vie sociale de beaucoup de gens.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent pas, il n'y a pas plein d'activités qu'ils peuvent mener comme d'autres jeunes gens de leur âge, mais il y a un truc, et puis pour si certains d'entre vous ont des amis atteints de schizophrénie ou qu'on fait des crises psychotiques ou des amis qui ont des amis, c'est une grande angoisse aussi pour l'entourage d'avoir parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne sait pas. Et donc le problème de l'invisibilisation du traitement, c'est aussi celui-ci, c'est que certes, ça fait re-rentrer le traitement dans la sphère de la totale intimité de la personne, sauf que en fait, les maladies chroniques, c'est quelque chose qui doit se gérer collectivement. Que ce soit le cancer, que ce soit la dialyse ou que ce soit la schizophrénie. On ne peut pas, évidemment, c'est très bien qu'on puisse choisir auprès de qui on va s'épancher sur sa maladie et raconter comment ça s'organise, etc. Évidemment, la question, ce n'est pas que ce soit publicisé auprès de tout le monde. Mais il y a vraiment je trouve que c'est une très mauvaise compréhension de la part des médecins de penser que ce serait souhaitable de gérer la schizophrénie comme n'importe quelle maladie chronique de manière absolument individuelle, avec seulement son équipe de soins. Parce que c'est pas possible, et c'est pas possible pour la dialyse non plus, c'est pas possible pour le cancer, et on peut pas, c'est difficile de survivre à un cancer si on va tout seul à sa chimio à chaque fois, pendant les 90 chimios où on doit y aller. C'est difficile, quand on fait de la radiothérapie, de devoir y aller tout seul tout le temps et de ne pas expliquer et d'avoir personne qui nous rappelle qu'il faut y aller. Et pour la schizophrénie, c'est la même chose. Donc, il faut que l'entourage soit... Et donc, dans certains cas, le cas là, de cette maman qui s'inquiétait, qui avait perdu son contrôle, etc., ça a été travaillé par le psychiatre. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça que je parle de la manière dont c'est configuré dans l'espace de la personne, parce que l'invisibilisation pour l'invisibilisation, c'est on n'est pas obligé de raconter à tout le monde quand on prend un doliprane parce qu'on a un peu mal à la tête, mais par contre, en fait, quand c'est le cas d'une maladie chronique aussi lourde qu'une schizophrénie, il y a une nécessité et il faut inventer, en fait, on ne sait pas faire aujourd'hui, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on doit inventer, et là aussi c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la recherche sur ces objets-là, pour voir comment ces objets-là peuvent aider à organiser tout cet étayage, organiser l'environnement, organiser l'entourage. Mais l'idée, c'est évidemment pas de dire très bien, maintenant tu vas pas oublier ton traitement, tu viens une fois par mois à l'hôpital, je te fais ton injection et tu peux gérer tout seul. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, ni la schizophrénie, ni n'importe quelle maladie chronique.